petit gâteau. Isabelle apporte des ballons. Élise, elle amène... je ne me rappelle plus, mais moi, je m'occupe des animations. C'est quoi ça? Et vous, là-bas? Mais pourquoi vous parlez en courant? Revenez! Costume de clown pour Verity. Maman, maman, j'ai l'impression que tu me tires les cheveux. Maman, arrête, arrête, ça fait mal. Mais Verity, ce ne sont pas tes cheveux, c'est une perruque. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis du scotch, de la colle? Maman, une maman citron dit à ses enfants, pour vivre longtemps, ne jamais être pressé, donc fais doucement. Je pense qu'il y a des choses sur les costumes de clown hanté. Les costumes de clown hanté sont occupés par des esprits. Je pense qu'on est bientôt arrivé. Non, je crois pas. C'est quoi cette maison bizarre? Ça a l'air complètement abandonné. Y a quelqu'un? S'il vous plaît, répondez-moi. Y a quelqu'un là-haut? S'il vous plaît, aidez-moi! Pas possible, ça, y a personne apparemment. C'est quoi cette maison complètement pourrie? Le monsieur qui m'a donné ce costume de clown habite ici? Moi, j'y crois pas, c'est incroyable ça! Ici, y a personne. S'il vous plaît, y a quelqu'un? Allô? Y a quelqu'un? J'ai un problème avec ce costume. Je crois bien que ça bouge dans la maison. Y a quelqu'un? Là, je pense que j'ai vu quelqu'un dans la maison et je pouvais pas rester. Ça faisait beaucoup trop peur. Donc là, je vais vraiment dire à ma maman ce qui se passe. J'ai peur. Petit déjeuner. J'ai tout expliqué au réveil. C'est quand même pas juste. Je voulais juste faire une surprise à ma copine. Je voulais lui offrir un bon clown pour son anniversaire. Mais j'ai dû faire l'activité moi-même. J'ai dû me déguiser en clown. C'est vraiment pas de chance, ça. Et ben voilà, maintenant ce costume me colle à la peau. Je peux plus l'enlever, y a rien à faire. Pendant que je tire sur la perruque, ça me tire les cheveux. J'ai vraiment l'impression que ça fait partie de mon corps maintenant, cette perruque et ce costume. Est-ce que je vais rester un clown pour toute ma vie? C'est pas possible. C'est l'histoire d'un chaton qui tombe et se fait un bleu. Tu connais l'histoire de la chaise, elle est pliante. C'est déjà le matin. Ah mais j'ai encore ce costume, mais quel cauchemar! Maman dort encore. Il faut absolument que je trouve une solution pour enlever ce costume. Je vais déjà essayer, peut-être que ça marche.
je dois réfléchir. Je fais un tour sur mon overboard. Ça m'aide à trouver des solutions et à avoir des meilleures idées. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. Ah, si, j'ai une idée. Et si je demandais à Talking Angela? Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle peut bien m'aider quand même. Allez, je prends mon téléphone. Coucou Angela, j'ai vraiment besoin de ton aide. C'est vraiment urgent. Envoyé. Pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Ah, si, une réponse. Et en plus, maman qui se réveille. Ah, bonjour Verity. Maman. Oh, rien, comment le jour s'élève. J'ai l'impression qu'on aura une belle journée aujourd'hui. Oui, maman. Mais qu'est-ce que je fais là? Bon, c'est une langue qui sort, mais d'abord, je dois te raconter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Maman, je demandais de l'aide à Talking Angela. Tu sais, c'est pour enlever ce costume qui me colle à la peau. Mais Verity, pourquoi demander à Talking Angela? Tu sais qu'elle nous embête tout le temps, toujours. J'ai lu sur une Wikipédia qu'il faut demander à un chat savant. L'appel à un chat savant est une des solutions pour débarrasser du costume hanté. Et Angela, c'est un chat savant. Bon, qu'est-ce qu'elle donne comme solution? Regarde! Tu penses qu'on peut la faire confiance? Oui, je pense bien. Ok, on met nos chaussures et on va dehors alors. D'accord. Voilà, maman, on est arrivé au jardin. Regarde! Mais c'est incroyable, maman! Mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'est un course d'obstacles! Un course d'obstacles? Dans notre jardin? Oui, c'est trop bizarre! Ton téléphone, ton téléphone! Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais lire le message. Elle dit, Verity, tu dois parcourir la course d'obstacles. Mais je peux pas faire ça, maman. Non, 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 non. Écoute, mon cœur, je sais que ça a l'air très difficile. Mais il faut un peu de courage. Sinon, tu resteras un clown pour toujours. Maman, tu vas m'aider, hein? Bah bien sûr mon cœur, bien sûr. Oh, il y a un nouveau message. Qu'est-ce qu'elle dit? Chelsea n'a pas le droit de participer. Elle ne peut que donner des conseils à Verity. Maman, je peux pas faire ça, je peux pas. J'aurais pas dû dire ce sort, pas du tout. Un nouveau message. C'est quoi? Les instructions. Verity a 5 minutes pour terminer la course d'obstacles. Commencez tout de suite. Allez, cours. Je pense que tu commences avec le ballon. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Premier challenge. Verity doit envoyer le ballon bleu dans un des cartons. Mais c'est trop difficile, ça. Si, Verity, tu peux réussir. Allez, n'importe lequel. Fais de ton mieux. Allez, je peux le faire. Bravo, Verity. Ah, ça là, c'est nous.
boire un peu d'eau. Pourquoi? C'est une bouteille d'eau, je sais pas moi, je sais pas. J'ai peur, maman. Je vais tout boire. Oui, Vérité, tu dois terminer toute la bouteille. Mais c'est trop, il y a beaucoup. Mais Vérité, sinon tu resteras en clown. Super, t'as presque terminé. Waouh, waouh. Oh, t'es génial. Allez, Vérité, allez. Je m'excuse.